aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, un peu spéciale. J'ai été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP. Voilà, donc j'étais taguée il y a quelques jours, je ne sais plus quand, ben le 18 février, voilà. Donc je vais répondre à ce tag, j'en fais pas souvent, mais bon, de temps en temps, voilà. D'ailleurs, j'ai deux tags encore à faire, ça fait plusieurs semaines, je ne l'ai pas encore fait. Alors, vous avez pu voir juste avant que je tricotais. Voilà, donc c'est pas un podcast tricot, hein, c'est juste que là je suis en train de continuer. Je l'avais pas fait depuis un petit moment. Voilà, là c'est les deux devant. C'est un gilet pour ma petite fille. J'ai déjà terminé, mais bon, vous reverrez tout ça en détail. Je vais essayer de faire un podcast. J'ai déjà fait le dos. Voilà, c'est un peu chiné, voilà, avec de la laine de chez Bergère de France. Vous savez que moi, prioritairement, ouais, j'ai su le dire, j'utilise beaucoup de Bergère de France, voilà. Donc, c'est celle-ci, là, c'est de la Parisienne en couleur blé, voilà. C'est un modèle tout simple, hein. Alors, attention, si j'ai la photo, oui, alors c'est un modèle pingouin en jacquard, mais je ne fais pas le jacquard, ma petite fille le veut en uni, donc voilà, c'est ce petit gilet ici, voilà, donc pas de jacquard, bah, de toute façon le jacquard j'en ai jamais fait. Donc voilà, j'aimerais bien essayer un jour de voir si je sais faire du jacquard, mais bon, on verra. Donc là, je lui fais dans la taille la plus grande que j'ai sur le modèle. C'est le 12 ans. Donc bon, normalement, ça devrait lui aller. Hein. On verra. Mais c'est bon. Alors, hop, voilà. Je vais chercher ma page parce que j'ai ma page avec toutes les explications et je stabilote. J'ai tout stabiloté ce qui est dans sa taille. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Alors, oui, vous m'avez vu du coup un peu tricoter. Voilà, là, je fais les deux devants en même temps. Et pour savoir quel, le devant gauche et le devant droit, j'ai mis des petites étiquettes en bas. Voilà. Donc là, c'est le devant gauche et là c'est le devant droit, comme ça je sais bah, au moment où il va falloir commencer à faire les diminutions bah, quel côté, voilà, parce que les devants, bah, c'est le devant de droite, c'est le contraire du devant de gauche, voilà, et comme je les tricote en même temps. Donc voilà, mais bon, c'est pas le but de la vidéo, mais enfin, je vais répondre aux questions peut-être en continuant de tricoter. Donc là, vous ne verrez plus ma tête, je suis désolée. Comme ça, moi, j'ai les questions sur ma tablette, avec sur la vidéo de Catherine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme ça, vous pourrez aller lui rendre visite. Et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne. Alors, que je me remette du coup. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est là. Alors, à la base, c'est un tag qui a été créé par Soso et ses passe-temps. Voilà, elle fait beaucoup. Je crois qu'elle fait beaucoup de tags. C'est pas mal. Là, c'est un petit tag. Il y a une quinzaine de questions. Assez rigolo et complexe en même temps. Vous allez voir. Donc, je vais me remettre un petit peu. Je vais rebaisser un peu la caméra. Comme ça, je vais continuer de tricoter en même temps. Hein. Et je vais répondre aux questions du tag. Et à la fin, je dirai qui je tag. Voilà. Allez.
Voilà, je suis prête. Alors, première question, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Alors, vous voyez, déjà, la première question est complexe. Me faire changer d'idée, mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Ben, le contexte, contexte actuel, par exemple, en ce moment, si on aurait un gros achat à faire, par exemple, bon là on en a eu des gros hein, ce mois-ci et le mois dernier, hein, vous le savez, je vous l'avais raconté, le frigo, la voiture, la télé, tout ça était mort. Mais par exemple, là j'aimerais me racheter une nouvelle cuisinière parce que la mienne est au gaz. Et puis elle est vieille, donc par souci d'économie, je voudrais reprendre une vitrocéramique, voilà. Mais pour l'instant, ça me fait, je change. Voilà, c'est ça qui me, c'est le contexte actuel qui me dirait de changer d'idée. Mais là, ce serait donc l'idée, c'est de changer de cuisinière. Voilà, bon, enfin, je pense que, et également, l'idée, elle ne reste pas parce que ben, j'ai eu des grosses dépenses. Donc, je change d'idée également pour ça. Donc, je veux changer de cuisinière à cause du contexte actuel, mais je change. Je ne changerai pas ma cuisinière parce que pour l'instant, côté finance, je ne peux pas. Donc, les finances me font changer d'avis. Enfin, l'idée. C'est compliqué. Hein. Soso, il n'y a pas été un peu. Il n'y a pas été de ma mort sur son tag cette fois-ci. Deuxième question. Qu'est-ce qui est derrière toi? Le radiateur. Et DDP à chouchou. Voilà ce qu'il y a derrière moi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Les questions. Non, qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Bah, cet après-midi avec Chouchou, on a vu un truc complètement stupide à la télé. Ça nous a fait rigoler. Voilà. Je saurais plus vous dire ce que c'était, mais on a trouvé que c'était complètement idiot ce qu'ils montraient, enfin ce qu'ils expliquaient, et du coup ça nous a fait rire. Voilà. Troisième, oui, non, quatrième question. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Oula. Alors, qu'est-ce qui peut m'encourager le plus dans ma vie? Bah, chouchou. ouais, ça m'encourage des fois de faire des choses ou lui m'encourage aussi. Voilà. Je vous dis, les questions sont un peu difficiles à répondre. Elles sont simples, mais difficiles à répondre. Alors, ça me fait rire en plus parce qu'à chaque fois, quand je vous donne, là, comme là, je viens de vous dire, les questions sont difficiles à répondre. Ben, la question 5, c'est qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Répondre aux questions. Non, qu'est-ce qui est le plus dur à faire à bah, alors, moi, la chose la plus dure à faire, alors ça va être par rapport à ma santé. Vous savez que j'ai pas une santé mirobolante. Et du coup, moi, la chose qui est la plus dure à faire, bah, ça va être le ménage. Voilà.
Bon, j'en ai fait presque toute ma vie, hein, du ménage, enfin toute ma vie non, mais une grosse partie de ma carrière professionnelle, puisque j'étais auxiliaire de vie et aide ménagère. Et c'est à cause de ça que j'ai arrêté de travailler, que je suis tombée malade. Donc maintenant, faire le ménage, c'est compliqué pour moi. Parce que ben, j'ai vite des douleurs, je suis vite fatiguée, vite essoufflée, voilà. Heureusement, j'ai Chouchou qui s'occupe du ménage dans la maison. Et bon, de temps en temps, je l'aide, hein, quand même. Voilà, mais je suis très vite fatiguée. Je ne peux pas faire des grosses, des choses très très lourdes, très. Comment je peux expliquer? Très anti. Pas antif, antif, n'importe quoi, c'est quoi ce mot? Très. Ah! Je ne retrouve pas le mot, mais enfin, vous voyez, comme ça. La preuve, ce matin, pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Nous, on a plusieurs cages à oiseaux. Et du coup, ce matin, j'ai dit, tiens, je vais nettoyer, mais la plus petite. Donc, j'ai fait la plus petite cage. mais ça n'a pas l'air. Mais pour moi, par rapport à ma santé, c'est un boulot monstre. Pardon. parce qu'il a fallu bon vider le vieux sable, nettoyer la cage, donc me mettre à quatre pattes devant la douche pour nettoyer, frotter fort et tout avec des produits, etc. Alors pour se relever quand vous êtes à quatre pattes, c'est une catastrophe. Et quand vous avez fini de faire tout beau vos oiseaux, mais après il faut nettoyer. Voilà. Parce que bah, j'avais quand même des graines par terre, j'avais des graines. Alors moi j'avais mis un grand sac poubelle, heureusement, mais j'avais des graines sur le sac poubelle. Donc il a fallu que j'aille secouer dehors, que j'aille passer l'aspirateur, etc. etc. Et quand ça m'a pris presque 1 heure. Et après, bah, j'étais complètement lessivée. Mais alors, rincée. Hein, j'ai presque eu une migraine. Je voyais que la migraine arrivait. Et du coup, j'ai pris du sucre. Ça a été mieux. Mais je voyais la migraine arriver tellement je m'étais fatiguée à faire cette cage d'oiseau. Donc voilà. Donc moi, selon moi, ce qui est le plus dur à faire, bah, c'est ça. Les activités ménagères à la maison. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Ben, ne plus être malade. En premier, ne plus. Ouais, me sentir mieux, ne plus. Et puis. C'est bête à dire, mais perdre du poids. Voilà, vous voyez bien, je suis pas Miss Monde. Donc le fait de perdre du poids, d'ailleurs là il va falloir que je m'en occupe sérieusement parce que ça devient inquiétant. Le fait de perdre du poids, ça va améliorer ma santé, ça va améliorer mes essoufflements, ma fatigue, mon apnée du sommeil la nuit. Voilà. Donc tout ça va améliorer ma vie. Si, mais il faut que je m'y mette. Voilà, il faut la motivation. Et il y a une deuxième chose qui peut améliorer la vie aussi, mais c'est que notre situation financière n'est pas mirobolante. Donc voilà, si un jour je pouvais en avoir un petit peu plus, ce serait pas mal. Mais non, mais c'est surtout perdre du poids pour avoir une meilleure santé. Qu'est-ce qui est devant toi? Ah, tout à l'heure, c'était derrière. Ben, c'est vous, ma caméra, mon téléphone. Non, devant moi, ben, j'ai plein de choses. Hein, là, puisque je suis dans le coin du salon, j'ai ma table de salle à manger, ma télé, le bureau
de chouchou, mon bureau à moi, voilà, il y a pas, il y a plein de choses devant moi. Alors, qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Alors, bon, si j'ai besoin d'aller au médecin, tout ça, même sur Valenciennes, la ville à côté, je vais conduire. Les courses ici, si c'est des petites courses que je fais ici en ville, enfin en ville, dans le village, c'est moi qui vais conduire. Oui, dans... c'est quand même moi qui conduis le plus, mais quand on va aller à la grand, à Carrefour, au Grand Carrefour par exemple, ou quand on veut aller dans un centre commercial, par exemple, hein, là c'est Chouchou vient avec moi, et là c'est lui qui conduit. De toute façon, quand on est à deux, je préfère que c'est lui qui conduit, parce que sinon, il faut que je fasse attention. Je suis une très bonne conductrice, hein. Je ne veux pas lancer les fleurs. Mais quand c'est l'homme qui est sur la place du passager, c'est une horreur. Je ne sais pas vous, mesdames, mais voilà. Alors, question 9. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou avoir chaud? Ben, ni l'un ni l'autre. Je n'aime pas avoir froid. Je n'aime pas avoir chaud. Bon, je ne saurais pas aller vivre, par exemple, là où il fait froid. Quand c'est hiver, qu'il faut sortir faire les courses, tout ça. Bon, il fait froid, hein, c'est pas terrible. Y avoir chaud, non plus. Parce que je supporte très mal la chaleur. Donc moi, si je veux parler en saison, ma saison préférée, c'est l'automne, le printemps et l'automne. Voilà. Là, c'est tempéré, c'est bien. Je fais pas trop chaud, je fais pas trop froid. C'est juste ce qu'il me faut. Alors, question 10. Qu'est-ce qui te fait rêver? Bon, à mon âge, on rêve plus à grand-chose. J'ai 60 ans, hein, cette année. Qu'est-ce qui pourrait me faire rêver? Ben, c'est que... Qu'est-ce qui me fait rêver? Je sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qui me fait rêver? À part avoir une autre maison, on est en location, hein. On restera toujours en location. Mais ça, avoir une maison, une belle maison, toujours en location, hein. Nous, on est en bailleur social. Ouais, ça me fait rêver, vous voyez, d'avoir une belle maison. Enfin, pas une grande, une petite, mais... qu'il n'y ait plus de courant d'air, qu'il n'y ait plus d'humidité, voilà. Ça me fait rêver. Sinon, à part ça, moi, les voyages, tout ça, j'aime pas, donc... Question 11. Qu'est-ce qui est poilu? Ben, mes bébés sont poilus. Ma fifille, mon pacha, mon géri, ils sont poilus. Voilà. Question 12. Oh, qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Alors là. Ni l'un ni l'autre, hein, mais bon, une fée, c'est bien, ben, mais. Non. Bon, je vais répondre bêtement, mais non, ni l'un ni l'autre. Non. Alors, qu'est-ce qui te rend... Alors, question 13. On va bientôt arriver à la fin.
Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, qu'est-ce qui me rend heureuse? Ben, c'est tout simple, c'est d'être avec mon chouchou, mes animaux, d'avoir mes petits-enfants à côté de moi, hein, puisqu'ils habitent la même rue. Voilà, c'est tout simple. Il faut pas grand-chose. Question 14. Qu'est-ce qui te manque le plus? Alors là, qu'est-ce qui me manque le plus? Ben, c'est pareil, hein, j'ai pas besoin de grand-chose, donc qu'est-ce qui peut me manquer? Ouais, si. Bon, des fois je charrie un peu chouchou, mais parce que lui aimerait qu'on reparte là où on habitait avant, à côté de l'île, à Vinavdask. Mais c'est vrai que moi aussi ça me plairait bien parce que bah, là-bas on avait le centre commercial à côté, on avait la Belgique pour pareil, pour des, on est beaucoup magasin, donc voilà, on est beaucoup magasin. Pour un grand magasin, c'est un pour celles qui connaissent, qui sont du nord ou de la Belgique, Famille Flora. Voilà ce qui nous manque. Donc, c'est je vais dire pas seulement moi, mais nous, hein, Chouchou et moi, ouais, c'est de repartir là où on était avant. Voilà, mais maintenant je suis coupée en deux parce que j'aimerais repartir là-bas. Et puis Chouchou aussi, parce que lui, il a son fils par là-bas aussi. Et si je repars là-bas, j'ai plus mes petits-enfants à côté de moi non plus. Donc c'est bon, c'est compliqué. Quinzième et dernière question. Alors, qu'est-ce qui est petit et mignon? Alors, bah, j'en ai trois. Hein. Petit mignon, vous devinez qui, hein, Fifi. Et puis mon Pacha et mon Géry. Petit mignon, je ne peux pas dire mes petits-enfants parce que ce ne sont plus des petits. Voilà. Mais ils sont mignons. Voilà. Donc, mes petits-enfants sont mignons. Mais ils ne sont plus petits. Ils ont entre 11 ans et 15 ans, donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé mon petit tag. Bon, ça a été assez rigolo, mais voilà, il y avait quand même des questions. Je ne savais pas quoi trop répondre. Alors, je vais taguer qui? Alors, je suis en train de regarder sur ma liste. Bah Fred, de Jamais sans mon aiguille. Voilà. Je vais taguer Fred. Alors, j'espère qu'elles n'ont pas été taguées. Hein. C'est pour ça que je vais en taguer plusieurs. Je vais taguer Isa et ses passions. Je vais en taguer quatre. Voilà, comme ça, je suis sûre. Je vais taguer Elisa Pointe-Croix. Pointe-Croix et... Alors, attendez. Pointe-Croix et ses loisirs. Voilà. Et je vais taguer. Oh, je voudrais bien taguer une cinquième. Jackie Crostiche. Voilà. Allez, soyons fous. Et je vais taguer. Alors, je cherche le nom complet. Mélissa Point de Croix Enco. Voilà. Alors les filles, je vous passe le flambeau hein, pour que vous répondiez à ce tag. J'ai hâte de voir vos réponses.
Voilà. Bon, bah, ça m'a bien amusé hein, de le faire quand même. Bon, les tacs, c'est toujours sympa à faire. Bon, moi, je suis en train de terminer ma ligne. Du coup, bah, vous m'aurez vu un petit peu tricoter. Il faudrait que je fasse un podcast. Mais c'est vrai qu'un podcast, bon, il faut que je le prépare. Donc, je vais en préparer un, hein, mais c'est parce qu'il faut que je trouve du temps. Je ne sais pas comment je fais en ce moment, mais je manque de temps. Je n'arrive pas à me... Comment? À bien m'organiser ça en ce moment. C'est vrai que je suis partout. Je suis sur les groupes. Je suis sur mon Facebook. Je suis sur mon YouTube. Je dois suivre les partenariats. Je suis toujours occupée, occupée, occupée. Et voilà, il va peut-être falloir que je vois un peu, peut-être pour me seconder un peu déjà pour le groupe. Je vais voir. Ah bah tiens, la Fifi qui arrive. Pour pouvoir gérer avec moi, tout au moins ça. Ah parce que bah, oui, Didith, il y a des moments, elle est submergée. Voilà. Bah, écoutez, j'arrive à la fin de ma ligne. Fifi est là, je vous la montre. Hop, 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 hop. Voilà. Ma petite Fifi. Hein? Ma petite poilue. On dirait un fantôme comme ça. Attendez. Hop. Oui, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. On te voit plus. Voilà. Allez, je termine mes 3-4 points là. Mes 3-4 mailles plutôt. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. J'ai avancé un petit peu une broderie. J'ai fait ma couverture météo. Bon, je suis encore en retard d'une journée seulement, donc ça va. Et j'ai ressorti du coup le gilet pour ma petite fille, parce qu'elle me le réclame. Elle a demandé à sa maman si j'avais fini son gilet. Ben non, je ne l'ai pas fini. Hein. Mais bon, ça devrait aller. Voilà. Là, j'en suis là pour les deux devants. J'espère que pour la fin de la semaine, les devants seront terminés. Comme ça, il ne me restera plus que les manches à faire et l'assemblage. Et les bord-côtes. Voilà. Donc, vous voyez, moi, c'est traditionnel hein, pour tricoter, c'est en aiguille droite. Restons simples avec des modèles français, de la laine française. Bon, les aiguilles sont pas françaises, hein, c'est des Knaï Pro. Donc, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Attendez, je remonte un petit peu. Tout, coucou. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bah, j'ai hâte de voir les tags des copines maintenant. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.